Pour la plupart d'entre vous, les fléchettes, c'est juste un sport de bar étudiant jeudi bourré. Effectivement, c'est un sport de bar bourré, mais pas d'étudiants, c'est des mecs qui vivent pour ça. Regarde là. J'avais le choix entre la chanson et la cocaïne, j'ai choisi la cocaïne. Eh ben oui, tu peux regarder ton YouTube de merde à héritage là. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va vous faire découvrir une passion commune qu'on a avec tout groupe de potes, c'est les fléchettes. On est aujourd'hui à Vannes, au championnat de France de fléchettes. Il compte plus de 3000 joueurs de fléchettes. Je crois que c'est beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. La plupart d'entre nous ont été qualifiés en doublette, ça veut dire que c'est des matchs de 2 contre 2. Le nom de doublette, c'est Black Black Turbo Motoculteur 3000. Tous ensemble, on a été également qualifiés en équipe, c'est des équipes de 4. Globalement, comment ça marche? Il y a plusieurs championnats par niveau. Il y a les pros, puis il y a les masters, et ensuite il y a N1, National 1, N2, N3, N4. Vous vous en doutez, on est qualifié en N5. On espère que cette vidéo va vous plaire, elle est pleine de rebondissements, il y a énormément de bêtises, vous vous en doutez également. Juste avant de lancer la vidéo, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, on aimerait bien lancer des concepts qui demandent votre implication, et c'est beaucoup plus facile de faire ça sur Instagram que sur YouTube. Je sais pas s'il y a des chances, mais en tout cas ça va être marrant, vous le verrez en fin de vidéo. Avez-vous la ref? Regardez-moi toutes ces cils. Quand je vous dis qu'il y en a partout, c'est qu'il y en a partout. C'est la caverne d'Ali Baba, des joueurs de fléchettes. Bon, les refs, assez parlé. On va aller voir les copains, on va aller voir les résultats qu'ils font. Et puis nous, on va aller voir quand est-ce que c'est notre prochain match aussi. On en a fait déjà 2 et on a gagné 3-2 et 5-0. Donc pour l'instant, ça va, on est premier de la poule. Les gens sont trop cool, ils disent c'est trop bien. Tout le monde discute avec tout le monde. De toute façon, c'est simple. Tu rassembles tous les plus gros poivrons de France, tu les mets dans un seul endroit et puis bah t'es au championnat de France de fléchettes. L'ambiance ne peut être qu'électrique dès 8h du matin avec de la bière. Il y a les copains Grégoire et Zavi qui sont en train de faire leur match. Je viens de perdre 5-0. Oh non! Premier match j'ai gagné 3-2 et après je perds du 5-0. Quelqu'un a un mouchoir, j'ai plus 5Z. Pour ça. Attends, mais t'es né en quelle année toi? 2013. Allez hop, c'est parti, château gonflable. Oui. Ah, le 5 c'est maudit. Demain. Ah c'est dur. Le 5 c'est dur. Bien oui joué ça. Bien nu. Bien joué. Bien joué. Comment vous appelez? Mina Labrague. Enchanté. Ok. Je suis le fils de mon père. Enfin, je sais pas, mais... Eh, mais moi aussi. Ah ouais, ok. Ça nous fait un point commun. Et vous êtes d'où? On vient du Mans, nous. Bon, petit bilan de la journée. 5 matchs, 4 victoires. Elle est belle, premier de la poule. Let's go! Il y a des mecs qui sont venus de Vesoul. Ils ont fait 9 heures de route. Ils sont venus là. Sur 35 manches, ils en ont gagné 4. Dites-moi ce que vous pensez de faire 9h30 de route pour arriver et se faire laver le cul pendant 12 heures d'affilée. Est-ce qu'on va faire des bêtises dans le bungalow, là? Non. Maman, si tu me regardes, je te jure que la caution, elle va pas sauter. Demain matin, 7h30, 8h, t'as des mecs qui arrivent avec une pinte et un café Calva, ils sont déjà arrachés. Mais ce matin, c'était le cas, mec. Vous savez que dans le packaging des petites affaires qu'on reçoit dans le tote bag pour la compétition, il y a un standard. Ça s'appelle, le mot, c'est goodies. On dirait quand même vachement un plug anal, le truc en haut de la tour, là, non? Oui, 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 je confirme. Bon, allez, sur ce, il y a un apéro. À demain. Ciao. Attends, c'est quoi ton prénom? Abonnez-vous. Ok, Ania. Vous connaissez pas le colibri de la baguette? Non. Ah, je vais vous apprendre le colibri de la baguette. Vas-y, Juan. Quand il reste un fond de bière qui est un peu fade, le colibri de la baguette. Je peux essayer ou pas le colibri de la baguette? Un double colibri, quoi. Colibri de la baguette. Abonnez-vous. Faut pas oublier, on est en Bretagne. Si t'as pas de demi-sel, t'es mort. Coucou papa, coucou maman. Incrustation au montage du dinosaure auquel je pense quand ça fait ça. Quel bâtard. Mais Raïm Georges Abibol. Les gens sont parce que du coup ma vanne est moins drôle que celle que tu non, vois. Non, par contre Abibol elle est incroyable. Il y a la kippa et le bol dedans mec. Comment tu t'appelles? Kippa Abibol. J'ai dormi au moins 3 heures. Non, non. C'est trop. Et je veux pas forcément être le seul à dormir sur la banquette. Non, 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 non. Non. Je vais jongler. Non, 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 mais commencez pas à chialer. J'ai pas fini mon explication. Je vais jongler. Et si à un moment, pour une raison quelconque,
qui décide d'arrêter de jongler. Et je m'en vais, et j'arrête là. Peut-être que Newton prouvera une fois de plus sa véracité. Non. Ça prouve rien du tout. Il y a quoi là? Quoi qu'au barreau. Je bois ça et je vous raconte une anecdote Tinder. Ok. Un poker face. On danse un poker face. J'ai jamais eu de match. Alors, spoiler, dans tous les cas, je vais la cracher, l'eau, ok? Donc y a pas de « Oh non, j'ai lu, crache pas », ok? Attends, mais gros, t'as oublié juste une petite modalité, là. C'était dans notre chambre. Je vous avais dit que j'avais des petits problèmes de motricité fine, un peu, ou pas? Oh, l'enculé. T'as combien de téléphones, toi? Hein? Ah, pas rien. Je suis hyper chaud en Krav Maga et en self-défense. Un jour, ma grand-mère m'a levé tôt parce qu'on devait partir au ski. J'ai les layettes. tu rigoles, mais on n'a pas eu le temps de lui dire au revoir. Et le flingue, vous l'avez ou pas le flingue? Bah non. Bah si, vous l'avez. Elle revient. 7h54. Il y a déjà du monde au bar. Et là, vous êtes à la bière, là. Ouais. Bah du matin, c'est important quand même. C'est vrai. Faut faire tourner un petit peu le commerce. Ouais. Bah oui. Ouais. C'est pour ça, c'est pour l'économie. C'est pour l'économie française. Ouais. Et bretonne, bien sûr. Merci beaucoup. Moi, c'est Philippe, mais mon surnom dans le monde des fléchettes, c'est Bibi. Bah, voilà. Est-ce que pour sceller notre amitié, je peux boire un peu d'entraînement? Bah bien sûr. Oh merci, ça fait plaisir. C'est avec un grand plaisir. Allô, t'as bien nous interviewer, donc on joue en pro. Oh, en master mix, l'autre il joue en N5 comme un vieux con. 19 ans de fléchette derrière moi. Tous les ans vous faites? Tous les ans, ouais. Trop bien. Tous les ans. Et là la bière là? Hein? L'heure? Ah, mais ça c'est... Parce que là il est quelle heure là? Ça, il est 9h30. Moi je joue en pro, ouais. Quel homme. Bien. Quel fini. C'est fini là? Ouais, c'est fini mec. 3-0? 3-0. Moi je serais chaud de revoir une bière. Allô? Moi je t'entends pas, il y a du bruit. Vas-y, raconte-moi ça, déroule. Allô? Tu m'entends au bout du fil? Ah pardon. Mec, on peut le faire hein. T'as dit quoi? Ça t'évite par contre, fils de pute. Oui, oh je l'ai. Tu sais. Je l'ai. Est-ce qu'on vous a déjà dit que vous ressemblez à Fabrice Eboué? À Pierre Palmade, pardon. Oui. Oui, c'est vrai? C'est vrai. Ah oui, bon, mais dis donc. J'ai eu Pierre Palma et dans mon jeune temps, c'était James Blunt aussi. J'avais le choix entre la chanson et la cocaïne, j'ai choisi la cocaïne. Vous êtes support tournoi? Oui. C'est quoi votre mission? Aujourd'hui, rien, je commence demain. Ouais, prénom du coup, c'est quoi? Patrick. Ah, Patrick. Bruel? Non, Chirac. Mais rien à voir avec... Ah oui, avec quoi, le Bibi. Mais t'as pas bougé toi depuis ce matin? Mais non mon petit Jacques. Oh merde, Antoine, pardon. Mais qu'est-ce qui t'a... Mais tu joues pas en fait? Bah je suis le président du club, ça fait mon con, tu m'as rien demandé. Eh bah oui, tu peux regarder ton YouTube de merde à héritage là. En fin de compte, t'es un vrai branleur quand même, tu m'as même pas demandé qui j'étais. Et on a gagné notre premier match. Bien joué Jacques. Ah ça me fait plaisir. Bah merci. Allez Bibi, je suis en bouton de la salle. Bulkaké. C'est des matchs en 5 manches, 2-501, donc le but est de commencer à 501 et l'objectif est d'arriver à 0 en premier. Et l'autre format c'est le cricket qui est un peu compliqué. En gros on prend les 5 plus gros chiffres, 20, 19, 18, 17, 16, 15 et la bulle au milieu et le but c'est de tout fermer. Là c'est Yen, il est en 16ème et moi je me suis fait niquer. Ah t'es éliminé? Ouais. Oui, Simon! Ça, c'est la pose d'un mec qui vient de perdre une fois au tableau des doubles KO. Du coup, encore une défaite et c'est éliminé pour nous. Quoi de mieux qu'un bon moment entre amis pour se réchauffer le cœur? Et c'est qui là? Enfin! Hello, YouTube! Allez, dis-moi quoi? Bon, merci, mec. Merci. Oh, mec et meuf, tout le monde, même le poker. Pour ceux qui savent pas qui c'est, essayez de deviner qui c'est, vous allez voir, c'est marrant. Indice. Ceux qui ont la ref, je sais pas, faites un truc, non? Trouvez un taf. Tu veux me faire un bisou? Merci. Tu veux avoir un petit coup de bière? Ah ouais.
Puis je vais te faire un bisou aussi. Salut Antoine. Oh le bâtard, putain. Donne-moi ça. D'où tu viens, bonhomme? J'ai traversé la France. Tu viens d'où? Du 70. Dis-moi que t'es pas dans le BTP. C'est où ça? Je suis dans le bâtiment. Plombier chauffagiste. Ah. Ça, c'est un bon métier. Est-ce qu'on peut voir le sourire du plombier ou pas? Je sais pas. Là d'accord. Il paraît que c'est ça. Hein. Moi, je suis une merguez. Elle est belle, allez là. Je sais pas si je suis bourré, stressé ou fatigué. Bah, juste pendant que tu vas aux toilettes, tu nous fais un petit débrief. Bah, viens avec moi si tu veux. Bah là on vient de gagner 3-1. Bah du coup on passe en 8ème ou 16ème je crois. Bon là il y a le J qui joue. Celui qui passe il ramène une coupe. Oui! Un trophée d'Arts Live, ça vaut plus qu'un trophée YouTube. Hein. Ouais, c'est vrai, tellement. Simon porte l'équipe. Ici, là, c'est nous. Et on est encore dans l'euphorie de notre victoire des huitièmes de finale. Mais eux, là, en face, ce sont nos adversaires pour les quarts de finale et on est clairement loin de s'imaginer le niveau qu'ils ont. Comprenez par là qu'on s'apprête à se faire soulever par les futurs champions de France N5. Laissez pas tomber le bras. Allez, les gars. Tu vois, on a plus de pression et pourtant, j'arrive toujours pas à jouer. J'en viens à croire que je suis nul. J'arrive pas à mettre de bulles, putain. J'avais fait vibrer, c'est le principal. Non, c'est vrai. Fin du jour 2. Sympa en vrai. Moi j'ai toujours joué aux fléchettes pour rigoler. Là on arrive en quart, on sort en quart. Je me dis ok non. Vous êtes des tueurs les gars. Merci toi aussi. Vous avez joué aux flèches là? Non, même pas. J'ai un vrai problème. Maman, si tu regardes cette vidéo, quitte la vidéo. J'arrive pas à dessouler. C'est bon. Regarde. C'est quoi l'histoire? Un enfant. Les gars, ça tangue à mort là. Allez, hein. Les gars, on y va, il est presque. Oh non. Oh, mais il est monté ce bâtard. Tu veux pas danser en mode lui. Les enfants, vous pouvez faire ça chez vous, mais faites le sobre, c'est mieux. Mais c'est rien, ça gros. T'as pas bien lu les critos. C'est marqué, tu vas saigner du nez, poteau. L'abus d'alcool est dangereuse pour la santé. Moi j'ai que mon tout cul là, ça m'affiche. Hein. Ça c'est ma chance, il y a mal marqué. Abonnez-vous, allez héritage. Bon, clap de fin, non je rigole. On va se mettre une tôle. La tondeuse, si tu veux, moi je m'en fous, je le fais demain matin. Donc je m'en branle. Je peux te le faire sortir. Moi j'ai pas un poil sur le champ, donc je m'en branle. J'ai pas le choix donc. Alors. Si tu veux, moi c'est mon boulot, si j'ai un poil, je me fais défoncer. Allô. Oui, tu m'entends? Ça s'entend pas bien là. Je pense que j'ai le cul plus dur que la bite. Je regrette. Tu peux y aller tout bien, c'est Fab qui fait la vaisselle. Vas-y, croque, ça va dégueuler, gros, t'es sûr. Tu veux une part ou pas, Simon? C'est du gâteau. Maintenant, c'est les équipes. 3 heures de sommeil. Des cernes, mon gars, c'est des parachutes pliés. Tu sais que t'as été. T'as fait une crise cette nuit? Deux. De somnambulisme? Encore? Ah ouais? Comme ça. Mais merci beaucoup. Hein. Non, mais il est. Pas Coco! Coco, il va gâteau! Feuille de match, feuille de route. Alors, 8 équipes. Donc on a 7 matchs. Ah, c'est interdit de consommer de l'alcool sur le parking du parc des expositions. C'est quand même fou de mettre tout ça. On parle d'une compète sportive. Hein. 7h47. Ils sont tous au cul du canetard en train de prendre bière.
Regarde-moi. Oh, des chapelets d'alcooliques, c'est pas possible. Pourquoi il y a la queue comme ça? Des brochettes de poivrons. Regarde-les. Premier match, 8h. C'est maintenant. Lui. Deuxième manche, 2-0. Complexe. On perd. Il n'y a rien dans le bras là. C'est fini le divertissement, on est plus dans le reportage sur un univers carcéral emprisonné de l'alcool. C'est sympa l'idée des tutus. T'as vu, je suis un peu plus. Il faut bien se dire que là, les trois dernières manches qu'on a perdues, c'est pas parce qu'ils sont forts, c'est parce qu'on a un niveau éclaté. My goodness, Irish Pub. Le centre de formation, le CF. D'ici que tout a commencé. C'est un peu le Clairefontaine. C'est un vivier. C'est le vivier. Sponsor numéro 1, Smecta. Merci pour votre confiance. Alors ça, c'est une marque américaine, Vaseline. C'est du transport aérien. Et bien sûr, derrière... Lui. T'en cambre-toi. Bon, c'est bon. Ah, mais... Eh, hey, tu veux pas qu'on aille prendre une bière? Il est bientôt 9h, on aura plus le temps, ça va fermer après. Ici, c'est le point de départ d'énormément de cirrhoses. C'est un sas à lépreux ici. On a perdu 400 ans de progrès technique. Mais c'est pas médiéval, c'est moyenâgeux. Ici, il y a des mecs qui crachent des alvéoles pulmonaires. Moi, j'ai dit, prenez des pains, cassez votre bras. Les mecs jouent, ils sont sobres. Qu'est-ce qui se passe? On a perdu 4-1 et là, on perd 3-0. Se faire fumer. On était en N3 nous. 5-0. 5 matchs de suite, on s'est fait fumer. Quoi, Koubé ? Ok, petit débrief, les loustiques. Une journée catastrophique. Allez. Allô ? On peut répondre ou pas ? Ah bah non, là. Tu m'entends ? Ah bah non, hein ? Allô, allô ? Attendez, les gens qui font pipi, vous faites pas pipi, j'espère. Là, actuellement ? Non, mais les gars qui sont passés dans la vraie. Vous avez rien compris, en fait ? Ah là, il a la durite, elle est pleine. Mais envoie ton Insta. Je te donne mon Insta. Vous tapez L-A. Non. J-A-Z-Z-A-N-C-E. Et là, vous lâchez un follow comme ça. On regarde si ça te va bien. Okay. Pas ouf, et wham. Et toi, c'est... Mieux que rien. C'est là. Physiquement, tu me trouves comment? Sur une échelle de 1 à Pierre Malmade. 10 sur 10, tu me donnes 10 sur 10? Ouais. Ok, moi je te donne 4. Tu t'es battu combien de fois? 2 fois, mais je me suis fait casser. Et t'as gagné combien de fois? 0. Fait plaisir de te revoir sur la chaîne. Une catastrophe aujourd'hui. Une catastrophe. Que des défaites. Bon, 2 victoires sur 7. Lui. Vous êtes une équipe magnifique. Vous adore. Allez. Que des défaites, on a excellé dans la médiocrité. Bah, on est des giga merguez. Du coup, ça nous fait 2 jours pour faire des conneries avec les copains, ça va être incroyable. Ça sortira pas d'internet. En fait, c'est interdit. Mais mec, ça a vachement bien marché, gros. Allo. Quoi? Mes ambitions pour ce soir? Oui. J'ai une autre version que celle de Simon. Je t'ai mis le doigt dans l'œil ou pas? Oh bâtard. Après, oh, arrêtez, c'est pas drôle, après on sort les gars. T'as vu qu'il y a un bonnet dedans là. Non. Fab. Qu'est-ce qui t'arrive, gros? C'est l'appel de la night. C'est l'appel de la night. C'est l'appel de la night. Casse, casse. Ça passe. Non.
non. Oh non, les francs. On fait le chemin inverse. Oh non. Jean-François. Jean-François, j'ai l'impression que ça sonne. Je te passe la jambe. Allô. Allô. Ça va? T'as passé une super semaine? Il s'est fait tatouer au Scrabble falafel frites. Allô. Ah ouais, je t'entends pas. Je t'entends bien. Ah, tu me réponds? Oui. Oh oui. Ah là, d'accord. Est-ce que vous savez que je suis cracheur d'eau? Ça, je maîtrise, je sais faire. Crame pas le mobilhome, hein. Ah ouais, une vraie technique. Allez les pitchouns, on embarque sur le bateau. Allez, hop hop hop. Tu peux rider ou... J'ai déraillé, mais en fait ça marche toujours, regarde. Mais mec... Hein? Un tout petit Ricard pour une grande bouteille d'eau. Le danger, c'est quoi? La noyade. On commence toujours par les glaçons. Et ça... On n'y touche pas. Mais dis-moi, Jamy, pourquoi est-ce que la couleur de ce liquide change? Allô? Allô, je t'entends pas. Allô, ouais, je suis au téléphone avec ta mère. Ah ben, hein. Ah, le clébard. Oh non, pas la toupie. Oh, ailleurs. Allez, à la queue, Lola. La dernière. C'est quoi maison de chez nous pour toi? Oh, oh et fais gaffe avec ta clope. Hein. Mais vraiment, ça fait tourner une tondeuse. Ouais, pour l'anniversaire de Simon, moi je lui ai géré une naine. Et j'ai une naine, Jacqueline, 67 ans, il manque un yep. Une bosseuse. Puis débrouillarde. Enthousiaste. Enthousiaste. Déterminée en tout cas. Besogneuse. Tu peux t'abonner à la chaîne de l'héritage. Les gens sont particulièrement laids ici. Du coup, je m'en sors, je sors mon épine du jeu là-dessus, moi. Tu lui as parlé de la Jacqueline? Surtout en fin de soirée, elle est bien sucrée, ma Jacqueline. Elle a la voix rauque en plus, elle fume des goldos. Par contre, elle roule tes clopes. Où est Tube? Et Tube, ça dépend comment elle est financièrement. Vous avez un gros, gros potentiel. Vous avez un énorme potentiel. Je vais t'enculer. Bon bah comme vous le voyez, j'étais tellement fatigué au retour que j'ai pas eu le temps de faire d'outro, donc je la fais maintenant en petite voix off. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis on se voit très rapidement, c'était la Jazz pour l'héritage, bye. Mais il va falloir filmer en format paysage. Ah gros, il me saoule quand il fait ça, ce bâtard. Non mais filme en paysage, je l'ai plus. En paysage color. Non, pas... Film en paysage, ça me merde. En paysage color.